Saint Jean Chrysostome dit que le transcendant soit transcendant, on peut le comprendre. Que l'immanent soit l'immanent, on peut le comprendre. Mais que le transcendant soit immanent est incompréhensible. Le transcendant renvoie à Dieu. L'immanent renvoie à l'homme. Tout sépare l'homme de Dieu et Dieu de l'homme. L'homme n'est pas Dieu et Dieu n'est pas l'homme. Mais avec le Christ, une rupture totale se produit. Dieu se fait homme. Le ciel vient habiter la terre et la terre devient un ciel. On pense qu'il est impossible pour l'homme de devenir Dieu. Ce n'est pas impossible, c'est son avenir. Ce à quoi nous sommes appelés est une vie qui n'est pas simplement humaine, mais qui est une vie divine. Dans la vie divine, ce qui est impossible devient possible. Des miracles se produisent, comme le miracle de ce boiteux que Pierre guérit, simplement parce qu'il laisse agir le Christ en lui et que, laissant agir le Christ en lui, il laisse agir la vie qui ne connaît aucune infirmité. Laisser la vie agir en nous, laisser le Christ agir en nous, c'est rencontrer en nous le bon berger. Qui est le bon berger? Le bon berger, c'est celui qui rassemble les brebis pour en faire un seul troupeau. C'est celui qui nous permet de devenir un. C'est celui qui permet d'être en Dieu comme Dieu est en nous. C'est celui qui se trouve dans l'unité entre le Père et le Fils, dans laquelle le Père est dans le Fils comme le Fils est dans le Père. L'état d'unité est l'état de vie accomplie, de vie merveilleuse. C'est l'état dans lequel tout est un, parce que nous sommes avec tout. Le Christ est le bon berger, pourquoi? Parce que il est la bonne pensée. La juste pensée qui amène la bonne attitude, la juste attitude. Il y a deux attitudes possibles dans la vie. On peut être un mercenaire ou on peut être comme le Christ. Le mercenaire, c'est celui qui agit, fait les choses pour un salaire. Le Christ, ce n'est pas celui qui agit et qui fait les choses pour un salaire, c'est celui qui donne sa vie. Celui qui fait les choses pour un salaire, c'est celui qui prend, mais qui ne donne pas. Le Christ ne prend pas, il donne. Le mercenaire s'occupe en apparence des brebis. Il s'occupe en apparence
de l'unité. Mais il n'est pas l'humilité. Il n'est pas l'unité parce qu'il pense au salaire. Il ne pense pas à l'unité. Il ne vit pas l'unité. Le Christ ne demande pas un salaire. Il vit, il est. Il est en nous celui qui crée l'unité et qui la fait vivre. Quand est-ce que nous sommes en Christ? Nous sommes en Christ à chaque fois que nous sommes un, que nous faisons les choses de tout notre être, que nous donnons tout, nous nous donnons en tout, et nous faisons que tout soit vivant, que tout soit tout, que tout soit un. Le Christ est ressuscité, cela veut dire que le Christ est le vivant parmi les vivants, plus que vivant, faisant de nous un vivant capable de tout, capable d'être en tout, d'être avec tout, pour tout. Amen. Amen.